L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi 30 janvier à 8h10 et à 13h. On va parler du salon des métiers d'art. Nous sommes par téléphone avec Amandine Consigny, la responsable marketing communication du Cube 3 Champagne Expo. Amandine, bonjour. Bonjour. Alors, salon des métiers d'art, un nouveau nom pour quand même cette 33e édition. Oui, tout à fait, un changement de nom. Le salon artisan d'art devient salon des métiers d'art. Un petit virage pour monter le salon en gamme et en qualité, mettre en avant les artistes et les artisans d'art. Est-ce que c'est lié avec ce partenariat nouveau et vraiment profond avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aube ? Oui, complètement. Un nouveau partenariat avec la Chambre de métiers et d'artisanat de l'Aube, marqué notamment par un accompagnement sur le comité de sélection. On a vraiment intensifié la sélection sur la qualité, la créativité, la manière artisanale de fabriquer les pièces, ce qui nous a permis donc une meilleure sélection et malgré tout d'avoir une vingtaine d'exposants en plus. Donc on gagne en quantité et en qualité. Ça veut dire que la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aube garantit la qualité d'artisan, le label d'artisan des exposants, c'est ça ? Oui, exactement. Notamment par la remise de titres d'artisans d'art qui sont délivrés par l'établissement consulaire, dont certains seront remis pendant le salon à des exposants de l'événement. Alors, 33e édition de ce salon des métiers d'art, ça devient un rendez-vous incontournable et très prisé, hein. Oui, c'est vraiment un salon de fidèles, de passionnés. Ce qui est intéressant sur ce salon-là, c'est qu'on peut avoir un noyau d'exposants qu'on va retrouver chaque année. Mais finalement, les pièces seront toujours différentes d'une année sur l'autre, puisqu'on est sur des créations uniques, d'où la fidélité des visiteurs sur ce salon. Combien d'artistes et artisans présents ? Une centaine d'artistes et artisans contre 80 l'année dernière, donc une belle progression et de belles choses à montrer au public au bois. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter, nous proposer ? Alors on va avoir différentes choses, hein, des bijoux, des vêtements, de la maroquinerie, des tableaux, des sculptures, des objets de décoration, de la broderie, de l'art floral, du verre. Beaucoup, beaucoup de choses et toujours des pièces uniques. Tout à l'heure, avant de commencer, Eric, notre technicien réalisateur, me posait la question, est-ce qu'il va y avoir encore ce pôle formation et ces jeunes qui vont faire des démonstrations en public ? Oui, tout à fait. On a toujours ce pôle formation avec le lycée Diderot de Romilly-sur-Seine qui vient chaque année pour présenter les métiers d'ébénisterie et de ferronnerie d'art. Et cette année, le nouvel organisme de formation puisque les compagnons du devoir seront également de la partie. Voilà. Et donc, ils feront des démonstrations sur place ? Oui, tout à fait. Ils exposeront certaines de leurs pièces, mais feront également de la démonstration des différents métiers qu'ils proposent dans leur formation. Des autres nouveautés, notamment une exposition cette année au fil du verre. Oui, alors donc ça c'est vraiment quelque chose d'inédit. On a monté une exposition de toutes pièces, donc une exposition qui n'a jamais été montrée, jamais vue, spécialement pour l'occasion. Donc on met le verre à l'honneur, hein. C'était pour nous quelque chose d'assez naturel puisque le verre a vraiment une place importante sur notre territoire. Donc on aura 750 m² d'exposition. Donc autour de la matière du verre, hein, donc on verra le verre sous toutes ses formes, grâce à la participation de différents acteurs du département, avec notamment des artistes verriers comme Jean-François Lemaire, Sylvie Fresnon, Victor Loiselet, Flavie Serrière-Vincent Petit ou encore Alain Vinhomme. Mmh. Et puis bien sûr les musées, avec la Maison de l'outil de la pensée ouvrière, la Cité du Vitrail et le musée du Cristal de Bayeux. Ouais. Donc beaucoup de choses à découvrir. Et ça va donc aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a d'autres musées au bois qu'on va retrouver, comme par exemple un musée un petit peu méconnu, l'éco-musée du maître en bois. Oui, alors qui se trouve à Ville-sous-la-Ferté, ouais. Qui était un lieu de fabrication de maîtres en bois il y a quelques années. Et donc, à la fermeture de l'usine, un écomusée a été créé. Et donc, ils présenteront quelques-unes de leurs pièces sur le salon. Alors, salon des métiers d'art, 33e édition. Vous attendez combien de visiteurs à peu près ?
On attend plus de 6 000 visiteurs sur 4 jours. Ouais, l'année dernière, c'était à peu près ce chiffre-là. C'était à peu près ce visiteur-là. Et alors, le salon, il tombe à quelques jours de la Saint-Valentin, donc ça peut être aussi l'occasion de trouver le cadeau original. Ça explique peut-être le succès de la manifestation. Oui, hein, complètement. On positionne le salon sur cette date. Hein, c'est effectivement intéressant. Ça permet au public de trouver l'idée, l'achat coup de cœur. Sur une pièce un peu unique qu'on ne trouverait pas ailleurs. Ouais, vous avez des coups de cœur, vous, dans ce salon ? Dans les bijoux, les vêtements, enfin. Il y a toujours des choses très sympas. Les modalités pratiques, alors ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Ça commence vendredi 8 février ? Oui, donc du vendredi 8 au lundi 11 février. Inclus ? Inclus, lundi inclus, avec une nouveauté cette année, le lundi, l'entrée est gratuite toute la journée. D'accord, oui, ça c'est important. Et également gratuit le vendredi de 14h à 16h à l'ouverture du salon. Donc, vendredi 8 février, 14-20h, c'est ça ? Oui. Samedi 9 février de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 19h et le lundi de 10h à 17h. Avec donc entrée gratuite vendredi 8 février 14 à 16h et le lundi 11 de 10h à 17h toute la journée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On a fait le tour ? On a fait le tour, bah, plein de choses à voir, à découvrir, et notamment aussi, on n'en a pas parlé, des démonstrations. On veut vraiment mettre en avant le savoir-faire des artistes et des professionnels des métiers d'art, donc il y aura des démonstrations sur les stands, il y aura des créations faites sur place. Voilà, donc rendez-vous est pris, 33e édition du Salon des métiers d'art du 8 au 11 février au Cube 3 Champagne Expo. Amandine, merci, bonne merci. Journée, bonne au revoir. Journée. L'invité du jour,